à l'âge où l'on porte des couettes. Pour elle, c'était le chignon. À la récré, les galipettes, mercredi, les compétitions. À cause des parts parallèles, elle couvrait d'élastoplastes ses petites mains abîmées. Pour elle, c'était sa fierté de gymnaste. C'est pas en nombre de saltos, c'est pas en litres de sueur, ni en série d'abdominaux qu'elle mesure son bonheur. Mais c'est le poids de la victoire, c'est quelques grammes de métal qui résument toute l'histoire et qui valent bien tout ce mal. Coûte que coûte, vaille que vaille, tu l'auras ta médaille. Trois tendinites, quatre entorses, mais cette fois championne de France. Disant qu'elle trouve encore la force et que son corps tient la cadence. Pour une bouffée d'admiration sur la place en haut du podium, combien d'amères déceptions, combien faut-il de nuits sans somme. Ta médaille. Mais une fois qu'on a remporté tous les championnats, les JO, il reste encore à inventer de quoi monter beaucoup plus haut. Comme un concours interstellaire où les champions à qui mieux viseraient la médaille solaire pour s'élever au rang de Dieu. Coûte que coûte, vaille que vaille, tu l'auras ta médaille. Les années passent sur son corps, en s'entraînant sans illusion. Elle sait qu'à 35 ans, on sort déjà de la compétition. Encore tellement d'années de vie, faut-il qu'elle se trouve un poulain pour lui transmettre ses envies ou tenir malgré son déclin. Que coûte, vaille que vaille, tu l'as eu, ta médaille. Mmh.